Je suis la vengeance. Je suis la nuit. Je suis Valéry Cossus Comolari. Désolé. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Malaise Productions en compagnie de votre Dark Illyrian qui s'est pris d'un délire de vouloir démarrer sur une entrée débile. Bonsoir à tous, on est reparti pour une session de Assassin's Creed Origins. Origins! Incroyable, incroyable. Je continue encore à apprécier ce jeu malgré la traîtrise que j'ai subie de sa part. Ce n'est pas grave, hein. J'apprécie toujours autant ce jeu. Et voilà, j'ai voulu démarrer sur une image débile. Mais avant toute chose, je reprends encore une fois l'occasion de ce live pour me faire mon petit coup de pub pour le prochain événement qui va se dérouler ce dimanche, l'après-midi, en début d'après-midi, je crois, dans les environs. Faudrait que je revoie mon planning à ce jour-là parce que j'ai complètement oublié à ce moment-là. À ce moment où je suis en train de présenter ce live, il va falloir que je regarde. Mais c'est dimanche, c'est confirmé, et un moustique est en train de venir m'emmerder, et c'est un kill confirme, enfin, un de plus. Je suis une véritable... une ferme à moustiques, c'est incroyable à quel point il y en a beaucoup ici. Sur ce, petite bande-annonce. Et voilà, oui, le retour des Innomine Adventum est reparti après avoir passé... Je viens littéralement de faire une nuit blanche entre hier et aujourd'hui pour terminer une grosse partie de du projet. Et je suis heureuse d'avoir fait... Enfin, heureuse. Je suis heureux d'avoir fait cette nuit blanche parce que, soyons honnêtes, je pense que si je ne l'avais pas faite, je n'aurais pas terminé mon projet pour demain. Voilà, là, je viens de le finir dans la majorité. Il me reste encore des détails qui vont être faits ce soir. Je ne sais pas encore si je ferai une seconde nuit blanche à cause de ça. J'espère pas. Sincèrement, j'ai besoin de sommeil. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Il faut que je dorme. Je ne sais pas quand, je n'arrive pas. Le sommeil ne vient plus à moi. À faire, je crois, deux nuits blanches d'affilée, presque, que je viens de faire. Donc, une nuit, on va dire, de sommeil entre-temps, entre deux. Encore une 10 heures de sommeil. Ah bon. Ça, ouais. Bref, ceci étant dit, eh bien reprenons notre histoire, reprenons là où nous avions laissé Bayek, reprenons non pas l'histoire, mais plutôt notre farming intensif. Ah, attendez, je transfère, voilà, je remets la musique et le son, hein, et ainsi le Tekos dicta à l'ingénieur son de remettre le son. Et l'ingénieur son lui cracha à la gueule. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de jouer le faucon. Voilà. Hein. Je suis Valéry Cossus Comorisé à l'époque où elle vivait encore. Égypte antique. Ah, que voulez-vous? J'aime rire. Et j'aime le jour du grenier. Alors, oui, donc c'est vrai, j'avais récupéré du matériel de très haute qualité. Je m'étais équipé pour pouvoir faire un carnage. Il y avait une quête que je devais faire par ici. Non, 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 il y avait des choses d'abord. Oui, il y avait des choses d'abord. On va faire ça. Ouais. On va faire un petit long détour. Donc, ta. Mon chocobromadaire, regarde, voilà, je suis un pigeon comme toi. On est deux pigeons. Voilà. Valéry Cossus. Wow. Et ta mère, je l'ai loupé. Oui, je l'ai loupé. Il va venir me piquer encore une fois. Pense.
Je l'ai loupé, ouais. Ah mais vous en faites pas, hein. Des moustiques, je crois que j'en ai bien moins une vingtaine qui m'ont déjà piqué depuis le début du mois de juin. Même depuis le mois de mai, une trentaine peut-être bientôt. Je commence à accumuler les boutons sur des boutons. Il me faut quoi déjà comme ressource? Je recherche quoi? Que je revérifie. Je recherche en priorité de la graphite et du cuir. Et du cuir. Donc, ces machins-là. Faites de beaux rêves, les hyènes. Oh merde. La saleté. Bon. Et voilà. Ça me rapporte un peu, c'est toujours ça. Reviens par là, espèce de chocobromadaire. Peureux. Je suis un pigeon et je suis plus courageux que toi. Eh ben punaise. Wow. Et de 1. On va faire tournoyer le sable. Ah. Tempête de sable en approche. Mais reviens, espèce de foutu volatile. Et va pas te planquer dans des trucs foireux. Je te jure. Ah, les piaf. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois? Je l'ai raté. Bon, arrêtez de bouffer mon pigeon. Parce qu'après il commence à faire. Voilà. Ah mais on va faire de la chasse à la hyène hein, aujourd'hui hein, je pense. Allez, viens par là. On va faire de la chasse à la hyène du désert. Ça va nous faire un bien fou, tu vas voir. Alors ça, je te parie que c'est encore un truc de bandit. C'est bien ce que je pensais. Repère de carrière d'Arsinoite. D'Arsinoite. Narcinoïtes. Narcinoite. C'est sûr. Cet endroit est très bien gardé. C'est bon. Il y a du monde. Un peu de monde, ouais. Pas une grosse quantité de monde, mais il y en a. Là. Oh.
qui s'est passé? Mais rien, voyons. De toute façon, tu n'es plus rien. Et... Ça, c'est un headshot. Un beau headshot. Une tempête de sable. Ça, ça va m'aider, ça. Des flèches, je suppose. Des flèches. Rien d'autre pour le moment. Continuer. Hein, mais que... Te voilà. Non. Tu vas crever. Touché. Et deux. Hein. Quoi? Ah, il me tournait pas le dos, je croyais qu'il me tournait. Voilà. Il a vu un feu, il a pas pu faire grand chose. Et ça m'arrange. Il y a des choses? Quelles choses? Peut-être en dessous, ouais, en dessous. Alors. Ça se cumule, ça va vite. Hey, parez-lui la route. Ce chien est trop fort. Oh, ok. Vous me les gavez. J'ai la cible en vue. Voilà. Je ressemble à une pelote de laine à cause de vous. Tu vas fermer ta grande gueule. Merci. C'est qui le prochain? Toi? Nom de Dieu! Ah, ils m'auront brisé les noix! À me tirer avec leurs fléchettes à l'infini! Je te jure! Je suis pas une foutue pelote d'épingle! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Dire adieu à mon argent. Oh. Qui va descendre? Non. Pas plus. Pas ici. Alors. Rien. Eh ouais. Il n'y a plus rien. Oh, un arc de prédateur. Level 29. Bon. Ils pas de bien intéressant. Voir. Mais ça fait toujours des ressources. Par là-bas, et j'aurais ainsi terminé.
la graphite. De la graphite, yes. M'en fait deux. Ça m'en fait qu'une seule, je crois. J'ai qu'une seule j'avais zéro graphite. Hein. Donc ça fait ma seule graphite actuellement. C'est génial. Et il me reste plus de quoi. Quoi? Et voilà. Merci de prendre ma flèche. Wow. Ah. Petit message de la part de Poulpaxor. Voilà. Donc, on a fini ça. Voyons voir maintenant ce que ce point d'interrogation doré, étrange, ésotérique et affreusement, affreusement captivant a à nous offrir. Qu'est-ce que je vais apprendre de plus encore? Quelle autre chose vais-je découvrir? Dans cet endroit qui ressemble étrangement aux fresques de... Mince. J'allais dire de Namza, mais ça n'a rien à voir. Les fresques de... Ah, ça se trouve en Amérique du Sud. Ces gigantesques dessins faits sur le sol représentant des formes étranges dont on n'a aucune idée de quelles étaient les significations. Ils sont restés comme ça. Les fresques de Navarro? Non, pas Navarro, c'est pas à voir. On arrive à destination, mais... en fait, non, faut que je reste sur mon chocobo. Chocoboro, pardon. Mon chocoboromadaire. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est? De quoi je retourne? Ah! Un putain d'éléphant. Y a moyen que je bute les gars qui sont dessus avant que j'affronte la chose. Si c'est possible, je voudrais bien. Sincèrement, je n'ai pas envie d'affronter les gars qui sont dessus. Pitié. Pour l'amour de Dieu, donnez-moi une chance de me débarrasser de ces clowns. Ce que je pensais, ils sont protégés par la magie du bug. Peut-être moyen, néanmoins, que il y a peut-être moyen de jouer de la fourberie, de ce capin si je joue en allant de ce côté-là. Est-ce que Buggysoft? Ouais, il y a moyen. Il y a peut-être moyen. Il y a potentiellement un moyen. Il faudrait que je me mette peut-être un peu plus en hauteur. Et là. Ah ah! Je peux le blesser. Je peux littéralement le buter de là. Ah d'accord, non, ça le compte pas. Je d'accord. Ouais, donc je suis pas dans la zone. Il ne subira rien, c'est ça. Ça m'emmerde. Sincèrement, ça m'emmerde. Bon, pas vraiment le choix. Dira-t-on. On va dire, c'est pas le choix, mais vraiment laissé. Ah, les éléphants. Je me suis pas... Et j'ai gaspillé combien de... Ouais, 7, ouais, ça va, ça va. 7, c'est que dalle. Bon! Eh ben... Allons-y! De quoi? Arnaque! Brûle, brûle. Qu'est-ce que c'est que cette chose?
Qu'est-ce que... Pourquoi? Pour comment? Deux! Pourquoi deux? Arnaque! Bilbo Z! Ah, ta mère! Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh punaise, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? Viens ici, espèce de Dumbo! Ah, oh, punaise. Chargez! Reviens. Je vais mourir. Je vais mourir. Foutu, punaise de coup d'élève. Deux putains d'éléphants. Je vais me battre contre deux putains d'éléphants. Mais quelle arnaque, quoi! Déjà, de base, tu ne pouvais pas les voir. Mais là, il y en avait un seul. Je me suis dit, bon, allez, on va en affronter un. Bah non, il y en a deux! Et en plus, tu vois, la cinématique, elle en montre qu'un seul. Pourquoi il y en a deux? Pourquoi deux? Quelle arnaque! Ah. Punaise, c'est pas le moment. Punaise. Écrasez-le, brûle, brûle. D'accord, l'autre il fuit comme la peste. Reviens par là, Dumbo. Soigne-moi. Oh là là! Écrasez-le, brûle! Ah! Brûle! Non! 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 Okay, game! You want to play this with me? You want to play with me? Come at me, bro! Je m'en bats les couilles, ça fait partie des objectifs secondaires de la campagne. Du truc. Je le ferai. Je m'en fous! Écrasez-le! Voilà, déjà ça. Bombe à feu! On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ils se rentrent même pas dedans, ils se font pas de... Ah!
Donne-moi du soin! Brûle, brûle! Non! Chargez! Ah! Cac! Écrasez-le! Brûle, fils de chienne! Ah! Écrasez-le! Aïe, 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 aïe! Mais ce one shot est un vraiment chiant quoi. J'ai au moins deux tiers de ma vie et d'un seul coup il me one shot avec un seul retourné. Il me faisait pas autant de dommages avant. Par contre je leur fais beaucoup de dommages en contrepartie, donc ça va être de la gestion. Zut, je te zut. Bon. Hop là. Brûle, fils de bouc, pris à pic. Non. Non, 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 non. Chargez. Eh bien, me redonner de la vie. Putesse des bois! Non, non, non! Volée de flèche! Eh bien. Punaise des bois! Brûle! Brûle! Ah! Écrasez-le! Brûle! Là, sur l'autre! Brûle! Soin! À peine dépassé le tiers. Lancez les flèches. Putain. Le truc c'est qu'il n'y a aucun moyen de battre les gars qui sont au-dessus quoi en fait. Punaise! Foutu moustique! Ok. On en est aux deux tiers. Eh merde.
Putesse. Non, 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 non. Plus que le tiers. Oh là. Courir, 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 courir. Ah, bon sang. Brûle, fils de bouc pris à pic. De bouc. Brûle. Tu veux plus reculer? Ah ah! Ok! Esquive! Bientôt! Non, non, non! Non, non, non! Lancez les flèches. Ça y est, si, 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 vaincu. Ah, quand même. Plus qu'un. Allez. Surtout. Les tirs puissants. Bon, bon sang. Merde. Les tirs puissants. Non mais... Foutage de gueule! Il faut que je me débarrasse en fait de l'éléphant. Faut pas que je me débarrasse de l'éléphant au corps à corps. L'éléphant au corps à corps, il est gérable en fait. L'éléphant à distance, il est juste intenable. Bon. On retente. On retente, je m'en fous. Alors, c'est toi que je dois essayer de régler. Viens par là, toi. Chargé. Non, je m'en bats les couilles. Mon existence est pour moi inutile. Brûle. Viens par là. Chargé. Brûle, fils de bouc pris à pic. Écrasez-le. Lancez les flèches.
Je m'en fous. Je m'en fous de ton frangin. Vous représentez rien pour moi. Je m'intéresse pas à toi. Bombe à feu. Brûle, fils de bouc pris à pic. Lancez les flèches. Allez, on a fait le deux tiers. Oh oh, esquive. Bouc. Viens par là. Redonne... Qu'est-ce qui s'est passé? Redonne-moi de la vie, enfoiré. Plus qu'à battre le cac. Et soyons honnêtes, le cac, c'est pas trop un problème. Allez, allez. Ton cri. Voilà. Bombe à feu. Bientôt. Maintenant il me reste plus que toi. Oh.
Oula. Ah mais ils ont encore des... Ils ont encore au moins ça déjà. D'accord, ok. Bon, ils ont plus les volets de flèches, déjà. Non, non, non. Là, je viens de faire une connerie. Je viens de faire une connerie. Non, non, non. Doucement. Non. Allez. On reste loin. Non, non, non. Allez. Viens par là. Non, 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 non. Non, non, non. Oui. Oh, fin. Voilà, c'est de la difficulté. C'est la difficulté qui est faisable. Ah. 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 Bon. Allez. J'ai déjà pris combien 40 minutes là-dessus. On va aller faire ça. Le cercle d'étoiles, la mission. Ça, 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 on chope tout ça. Et puis après, je pense qu'on pourra terminer le jeu là-dessus. Je suis déjà mort. Ah, les combats d'éléphants, je m'en suis tapé 4, putain. Enfin, dans 3 pour l'instant, j'ai réussi à finir. Il y en a un quatrième qui m'attend au nord pour ça. Celui-là, je commence déjà à en avoir marre. J'espère qu'il n'y en a pas... Il n'y en a pas une dizaine dans tout le machin. J'espère sincèrement qu'il n'y en a pas autant. Ah, je veux dire, j'espère qu'il n'y en a que 4, là. Allez, 5. 5. Voilà, il me reste encore à trouver, c'est tout, là. Et c'est tout. Pas plus. Parce que c'est bon là. Ah, les putains de combats d'éléphants, c'est un cauchemar. Le truc, c'est que je comprends pas pourquoi nous on peut pas se battre avec notre monture, tu vois. Pourquoi on peut pas faire ça avec notre monture? Hein? Pourquoi? Pourquoi la monture on l'a pas le droit? Eux ils sont sur une monture, pourquoi nous on a pas le droit? C'est quoi ce combat déloyal là que vous nous faites, Buggysoft? Allez, viens, Chocobro. Allez, viens, mon Chocobro. On va aller... Je vous jure, pitié. Ah la vache, je joue un Dark Souls, un Assassin's Creed, ça me tue ça. Quoi? Je perds pas ton cuir. Je vois la cible. Merde, merde, merde. Ah,
Bon. Merci de me soigner. À portée de tir. Putain. Ah. Bande d'immondes scolopendres. Et venez vous battre à terre. Allez, toi, où est-ce que t'es? Alors toi. Si tu pouvais éviter, enfoiré, de fuir. Non mais regardez-moi la distance de cet homme. Allez, viens. Viens te battre, bon sang. Mais il a une faim, punaise, de bon sang de bonsoir. Oh, je vous jure, quoi. Pas croyable, hein. Ça aussi, c'est une bonne arnaque, ça. Combien ils ont de flèches sur eux? Je veux dire, ils ont une infinité, hein, ils peuvent se terminer à l'infini. Vous voyez, au moins prévoir ce genre de choses, Buggysoft. Genre, vous leur mettez une quinzaine de flèches pour les plus bas level. Une trentaine pour les plus hauts, mais je suis désolé, moi j'ai déjà vu des archers qui ont tiré une cinquantaine de flèches. Wow. On en a pas autant, nous, de notre côté, hein. Oula, il y a des insectes ici. Ça sent la mort. De la graphite, yes. Pas grand chose de plus. Un petit trésor de graphite, je vais pas dire non. Hein. Site cérémoniel trouvé dans l'univers. En apprendre plus sur le mystérieux meurtrier. Ah, c'est là-dedans? Ah non, il m'a auto-sélectionné la quête, c'est ça? Ah, il m'a auto-sélectionné la quête. Et... malheureusement, on en est très loin. Un jour que je la termine réellement, cette quête. Qu'est-ce que tu fais, Chocobo? Mais qu'est-ce que tu fais? Bon. Le prochain, c'est un truc tranquille. C'est pas là. Allez, on continue. Il les a largement pas tous faits, hein, les machins, mais... de toute façon, on s'en rapproche. Progressivement, bientôt, la fin nous tend les bras. D'ici, je pense, 2 semaines. Je pense. Vu ce qu'il reste à faire, je pense, au rythme auquel je vais, si j'en fais encore un bon gros live demain et que j'avance assez vite, je tombe pas sur des putains d'éléphants, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le gosse? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? C'est quoi comme ça? Ah, ouvrons-le. Ouais. Voici la balance, appelée Khonsu. À notre mort. Alors... la déesse Maat y pèse notre cœur, face à sa plume blanche. Oui, je m'en souviens. Si notre cœur est pur et léger, nous allons dans les champs de roseaux. Très bien. Tu as bien écouté.
La balance mesure la vérité et la justice. C'est pourquoi les Medjay les défendent plus que toute autre chose. Et tout ? C'était bien. La balance de la justice. Anubis. Qui préside. Nouveau caillou de plus. Ma collection de cailloux s'agrandit. Bon. Oh bah c'est vrai que j'avais pas vu ces points là. Merde. J'ai oublié de ces trucs là-bas. Ce que je vais faire. Je vais prendre ça. Ça. Remonter là. Prendre ça. Ou alors je vais faire ça même. Vraiment. Je vais les récupérer. Non mais parce que ce point là il va me révéler d'autres choses. Donc je vais moi faire ça. On va récupérer ce point d'interrogation. Descendre dans l'eau. Aller de l'autre côté. Récupérer ces deux trucs là. Remonter jusqu'ici. Récupérer ce point d'interrogation. Ce point d'interrogation. Et faire cette quête. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je prendrai ce point-là et je commencerai à voir si je peux faire ça. Donc, comment qu'on fait pour aller là-bas ? Y a-t-il un moyen, en fait, d'aller là ? C'est une bonne question. J'ai l'impression que ça a l'air d'être tortueux à souhait. Ouais, ça a l'air d'être tortueux à souhait tout ça. Mais rien que mon chocobromadaire ne pourra escalader. Allons-y! Je m'en fous du journal des quêtes, pas la peine de me l'indiquer. Merci. Ça sent le campement de bandits. On en fait beaucoup, hein, mais que voulez-vous? Ils sont nombreux, hein. L'Égypte, elle a été gouvernée par un glandu pendant trop longtemps. Et en ce moment, elle est gouvernée par un débile. Par une débile. Voulez-vous? Alors quelque chose de très important. Ce que l'on ne voit pas, c'est le premier DLC des deux, qui donc doit traiter certainement de la manière dont les assassins sont formés réellement. Ça doit être obligatoirement ça. Parce que ce que l'on ne voit pas, c'est l'un des premiers DLC. Et ah, ils sont là. D'accord. Où est la... Ah d'accord, en fait, ils sont sur trois endroits en même temps. Ok, bon bah on va... J'ai besoin de ce genre de fourrure, tu me diras. Donc... Là, ils sont résistants, dites-moi. Un plein tir dans la tête, ça les a... Merde. Et les autres, ils sont tout là-haut. Ah, c'est résistant, allez hop. Trois flèches, il faut pour la battre. Et merde, il commence à fuir. C'est ces animaux qui, une fois qu'ils commencent à se sentir dans la vraie menace, commencent à partir vers la direction opposée. Oublie ce détail. Ça va être casse-couille. Par contre, comment ils se retrouvaient là-haut? Il y a un chemin pour qu'ils puissent y aller? Ou alors ils sont... Ils sont paumés, ils ont réussi à monter, ils sont comme des chats perdus, perchés. Incapables de redescendre.
en attendant que je vienne les délivrer de la douce mort à laquelle ils sont promis. Ouais, ça m'a l'air d'être un plan foireux, ça. Il y a réellement... Il y a genre aucun moyen pour eux de s'enfuir, en fait. Je me place là. Tourne petit, hein, y a pas de problème. Hein. Va t'échapper. Hein. Voilà. Par contre, je refuse. Laisse-moi récupérer ta magnifique fourrure de guépard. De panthère noire même. Merci. Vous avez beau essayer de vous cacher, mais vous êtes paumés, hein, les gens. Voilà. Ainsi se termine la... Voilà. Eh ben c'était pas très folichon tout ça. Hein. Bon, voyons voir si la suite sera mieux. Oula, alors voyons. Il va falloir que je trouve le moyen de descendre. Silo là-bas. Presqu'île. Il y a là-bas. La fontaine de jouvence. On va prendre ce truc-là. Un pigeon à la mer. Un pigeon à la mer. La cache oubliée d'Iou. D'Iou. Et bon, finis. Ah. Sous l'eau. Et un trésor et un bouclier d'Antigone que je vais aller m'empresser de revoir rapidos. Allez, la graphite, s'il te plaît. Eh ben. Hop là. Toi, petit bateau, est-ce que tu voudrais bien m'emmener de l'autre côté? Alors attends, est-ce que c'est le bon côté? C'est ce côté. Ouais, c'est ce côté. Ah d'accord, oui, non, mais c'est parce qu'en même temps j'appuie sur Alt pour ça. Pourquoi est-ce que je peux pas reculer? Je peux pas foncer. En même temps, si j'appuyais sur le bouton pour refoncer sous l'eau, tu m'étonnes. Voilà. Allez. Bien évidemment, mon chocobro a trouvé le moyen de s'envoler avec ses plumes magiques. Parce que le chocobro est magique. Le saviez-vous?
Wow. Voilà. Alors, quels trésors antiques vais-je découvrir ? Que tous ceux qui voudraient entrer prennent garde, car ici repose Smenkare. Vivantes sont les formes de... Déjà du trésor là-bas. Qui m'agresse ? Qui m'agresse ? Ah, c'est vrai que je peux me battre à... je peux explorer les... Maintenant je peux explorer les donjons avec ça, c'est vrai. Ça a les mêmes effets. C'est vraiment flippant. Ça. Mon angle de vision est un peu rétréci. Un peu beaucoup même. Nous t'honorons, Méritaton. Consort du roi de Haute et de Basse Égypte. Seigneur des deux royaumes. Akeperur, Smenkare, Djeser, Keperur. Bien-aimé Daton. Akeperur Neferruaton, fille de Nefertiti, Méritaton est notre reine dans cette vie et la prochaine. Il reste encore des champs. Ça sent le trésor en dessous, pas vraiment le choix. Ou de la graphite. Vite. Pas se tromper. Deuxième tentative. Non, c'est de ce côté qui peut aller. Ça va. Ah. On doit replonger dans l'eau. Oula, il y a des choses. Oh merde. Encore une énigme à la balancier. Deuxième jour de Faminote. Je suis incapable de dormir, incapable de manger. Il n'y a que ceux qui étaient là avant. J'ai emmené mes hommes et nous ne reviendrons pas. Les peintures ne seront jamais terminées. Les inscriptions jamais écrites. Car rien ne pourra nous pousser à revenir dans cet endroit oublié des dieux. Voilà.
me donner des sueurs froides et me faire voir des putains d'araignées. Faire ça me dit que... Mais non. Non. Procède. Et bien ce que je pensais. Ah. Pas mal. Non, c'était pas ça. Non, je suis sûr que je pouvais le ramasser. Alors attends. Ce caillou. Je ne peux pas prendre ce caillou. La fenêtre de tir, mais vraiment, vraiment microscopique. Hein. Il faut pas se louper. Hein. J'étais en plein devant. C'est quoi ce bordel? Oh non, me dites pas, Buggy Soft, que vous avez merdé ça. Pitié. Pour l'amour de... Je veux dire, quand même. Moi, je vois rien que je puisse faire et à mon échelle. Voilà, c'était moi qui avais merdé. Non. C'était moi. Je suis débile. Non. Et j'ai loupé le trésor qui était au fond. Un retour. Ça ferait bien d'être prudent par ici. Oh, merde. Salut. T'aurais pas dû mûrir ici. Il a cru me voir. Papa. Kamonra ou Kamonré protège le nom de notre lumineuse éminence Semenkare. Premier des vrais fils héros des anciens et vénérés architectes de l'ordre. Oh merde. Lui qui m'a chargé de rassembler les rouleaux sacrés afin qu'ils puissent veiller sur eux pour l'éternité depuis les champs de roseaux. Lui qui fait taire ce qui est secret et garde ce qui est connu. Prenez garde, ennemi de l'ordre, car il se tiendra devant ceux qui étaient là avant et sera jugé digne de les vénérer et de les suivre. Et vous tomberez. D'accord.
Troisième jour de Meshir. Aujourd'hui, nous avons trouvé quelque chose en creusant plus profondément. Je suis incapable de le décrire, car lorsque j'essaie d'y penser, mon esprit se remplit de rêves et de notions que je ne comprends pas. Et il paraît évident que ce n'est pas par hasard que Smen Carré a choisi cet endroit pour son dernier repos. Continue par là, d'accord. Et continue par là, ça veut dire que je ne ferai pas le demi-tour en arrière. Donc, récupère ça. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Incroyable. C'est ridicule. La manière dont il est habillé est incroyable. Qui a été fait par les anciens, ça se sent. La connerie. Hermopolis. Cristaux. J'ai activé un mécanisme. Retransmission, segment 4. Acquisition de contemporanéité. 99 jours écoulés depuis. Retransmission, segment 4. Acquisition de contemporanéité. Le 21 décembre de l'an. 99 jours écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. Le 21 décembre de l'an 2012. Le 21 décembre de l'an 2000. Attends, là, il y a un problème. L'humanité a vaqué sans inquiétude à ses occupations. Les gens sont allés au travail. Le 21 décembre de l'an 2012. L'humanité. Le soir du 21 décembre de l'an 2012. Alors que le soleil se couchait. Attends. Ça bug. Je vais revenir. Un aller. Je reviens. Est-ce que tu vas mieux? Retransmission, voilà. Segment 4, acquisition de contemporanéité. 99 jours écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. Le 21 décembre de l'an 2012, Desmond a activé l'aurore boréale planétaire et protégé la Terre de l'éjection colossale de la couronne solaire. Le 21 décembre de l'an 2012, l'humanité a vaqué sans inquiétude à ses occupations. Les gens sont allés au travail, à l'école ou au puits chercher de l'eau. Le soir du 21 décembre de l'an 2012, alors que le soleil se couchait, l'humanité en a fait autant. Et le matin du 22 décembre de l'an 2012, l'humanité a profité d'une nouvelle matinée. Elle n'a jamais su que la veille, le monde avait failli disparaître. Nous pensions que cela aurait suffi. Et pendant un temps,
ce fut le cas. Le temps est inflexible. Il se corrige toujours. Le langage du temps s'exprime de maintes manières. Vous pouvez en comprendre deux dans votre état actuel. La continuité linéaire est une simulation autorisant des variations. Au sein de cette continuité se trouvent des nœuds, des choke points, des moments où les algorithmes font converger les flux d'éventualités superposées vers un instant unique où seule une vérité absolue peut exister. Eh bon, ça c'est... Les chemins sont fluides. Oula. Gender fluide. Continue. Les nœuds sont statiques. Principe de immuable. De prédétermination. Et la fonction ondulatoire regroupe les chemins vers des nœuds pour les scinder ensuite. Encore et encore. Il amène à la notion de est-ce et qu'on est capable de prédire l'avenir. Donc je m'interroge. Pouvez-vous sentir l'onde s'écrouler? Chercher à corriger l'acte de défi de Desmond? Le nœud qui approche impose la fin du monde. Depuis plus d'un siècle, les algorithmes taillent dans le flux des éventualités pour tendre vers cette fin. Moule et lourd. Un dédale de tranchées, rempli de boue et de gaz moutarde. Des familles recroquevillées dans la terreur alors que les V2 détruisent leur maison. Guerre mondiale, d'accord. Le feu issu des forges du laboratoire de Los Alamos qui alimente des catastrophes planétaires. L'incident de Serpukhov 15 en 1983. L'horloge de la fin du monde, installée dans un bureau de l'Université de Chicago. Et son aiguille qui fluctue selon les années. Le nœud est proche. Peut-être le savez-vous, peut-être l'avez-vous senti. C'est le monde qui se referme sur vous. Intéressant. On va pas quitter le tombeau tout de suite parce que malheureusement... Bah attends, si, on est obligé de quitter le tombeau. Allez, on peut plus remonter. J'avais oublié ce détail. Moins que, est-ce que je peux aller plus bas? Ah, je peux aller un peu plus bas. Allez, récupérer un truc. Étrange cristal. El Cristallum. Et ensuite... Oh. On prend la plaque de télétransportation. Pour quitter le tombeau. Voilà. J'ai loupé des trois... J'ai loupé deux trois petits trucs, mais bon. Voilà, j'ai récupéré tous les trésors qu'il y avait à faire ici. Déjà, ça, c'est fait. Bon! Hermopolis, d'accord, donc en fait je suis passé en dessous, tellement en dessous que je suis allé récupérer la ville qui était là. Ok. C'est pas mal ça. Eh ben, on va aller récupérer... non, pas ça. Mon petit chocobromadaire qui s'était planqué là. Voilà, mon petit chocobro. Allons-y. Combien qu'il est... On a 1h25. Allez, on est bien là. On est bien. On s'en fout. Je vous ignore royalement. Et moi, je m'en vais récupérer ce point. Et le nouveau lieu. Le livret d'Esthésias. D'Esthésias, oui, d'Esthésias. D'accord. Le livret. C'est grec, ça. Est-ce que les Égyptiens, ils ont... Ils avaient trouvé les livres.
Ils sont aussi sur le bord méditerranéen, donc... Ah, je pense plus que ce sera les Grecs hein, qui vont développer ça. Les Grecs, c'est tout. Ouais. Réolive. Le barrage de Kleitra. Wow. Ah. Ouais, je te laisse rester là pendant un petit moment. D'accord, donc c'est comme ça qu'il faisait les barres. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, d'accord, j'ai cru que tu frappais le barrage avec un... Il n'y a pas d'autre? Il n'y a que vous deux. Ah, très bien. Survie, hein. Ces ninjas sont de véritables. Ils sont de vrais plaies. Hein. Oh. Voilà. Ouais, c'est amusant pour moi. Très amusant. Et voilà. Et voilà. Ça c'est fait. On part sur le petit village qui est juste là-bas. Vendez mon petit chocobro. On est parti. Codilus Dongivefacus. Partez, allez. Je m'en fous royalement. Mais alors genre royal. Oh mais c'est un campement qui a été détruit, dites-moi. Ça m'a l'air d'être une ferme qui a été ravagée, qui est devenue une tanière d'hippopotame. Très bien. Checkpoint. Ça va pas être là. Checkpoint. L'enfoiré, il me met dans l'eau. Ah. Hippopotame, c'est incroyable à quel point c'est dangereux. C'est tout? Il reste 3. Et c'est tout. Bon, il reste 4. Oh!
Bouc. Et voilà. Viens par là, petit. On avance bien, mine de rien. T'as voulu te planquer dans les roseaux, hein, c'est ça. Hein. Allez, la mission là-bas. Juste à côté en plus. Je sens que les habitants vont me demander de faire des choses. Mes frères, les bandits reviendront bientôt. Nous combattrons jusqu'à la mort. Alors faites-les souffrir avant qu'ils nous tranchent la gorge. Nous sommes avec toi, Rai. Nous en avons assez de fuir. D'accord. Nous respecterons notre serment envers cette terre. Bien. Les protecteurs ? Pourquoi vous vous cachez dans ces ruines ? Amejai, les dieux ont pris pitié de nous. Je m'appelle Rai. Et voici ce qu'il reste de ma famille. Des bandits nous ont chassés de nos fermes. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons rien de précieux. Mais ça fait des jours qu'ils nous traquent dans ces terres désolées. J'ai croisé de nombreux bandits. Ils sont cyniques et insensibles. Ils ont fait beaucoup de victimes. Mon père, mon fils. Tu as devant toi tout ce qu'il reste de notre village. Ils vont venir nous achever, ce n'est qu'une question de temps. Reste avec nous, Mejai. Aide-nous à obtenir vengeance. La vengeance est mon credo. Je vous aiderai. Quel est ton plan ? Maintenant, tu utilises ce mot un peu trop souvent, hein ? Il y a une falaise tout près d'ici. De là, nous pourrons voir toute la région et préparer notre défense. Je peux déjà tout voir. La région est dangereuse. En dehors des bandits, il y a des hyènes et d'autres bêtes sauvages. Ré soit loué, mon père m'a appris à me servir d'un arc. C'est une belle arme. D'une facture peu courante. Quand mon père me l'a offert, cet arc faisait 3 mains de plus que moi. Les autres enfants se moquaient de moi. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Et crois-moi, ça me rend triste. Je serais étonné si c'était pas le cas. Ah. Non mais... Voilà, déjà de 1. Venez vous battre contre moi. Oh, GG. Bayek, il faut y aller. Oui, t'inquiète, on y va. Petite agression. J'en suis où d'ailleurs avec ça? Toujours pas. Et yes, je peux augmenter. Mais est-ce que... On augmente. Il me manque encore maintenant, encore une fois, 39. Hop. J'ai juste ce qu'il faut de graphite pour l'améliorer. Elle, je l'ai tellement pas. C'est pareil pour ça. Vous rendez compte que j'ai besoin de 14. 21 graphite rien que pour améliorer de 1 level les 3 qui me restent. Je sais pas comment je vais trouver 21 graphites dans le désert. Est-ce que tu as vu près de l'entrée? Mais il y a des inscriptions sur la paroi. J'ai vu. Il y a un symbole d'Horus. Mais il est un peu différent. Elles ont l'air anciennes. Mais quel est cet endroit? Là, toi, tu me l'as bien découvert. Tu sais te déplacer parmi les rochers. Je connais ces cavernes. Elles forment un temple naturel. Qu'est-ce que tu portes autour du cou? Un vieux crâne d'aigle. J'espère qu'il ne... Il est abandonné sur la plage. Portera chance. L'inconsistance. Ou alors c'est ce qu'il porte actuellement. Sur sa tête. C'est un crâne d'aigle. Putain, c'est métal. Littéralement. Par les dieux, que c'est beau. Je pourrais rester ici des heures. J'ai déjà fait, merci. On m'a déjà montré le cercle de pierre d'Horus. D'accord, et donc... Bon,
assez profité de la vue. Nous devons nous préparer. D'où que puissent venir les bandits, mes frères se tiendront prêts dans les ruines. Moi, je resterai ici à surveiller. À leur arrivée, je lancerai un signal, puis je les attaquerai à revers. Ne le prends pas mal, Rai. Mais vous n'êtes pas des soldats. Ces bandits sont des tueurs. Des amis paysans ne s'en sortiraient pas vivants. Je le sais, Bayek. Et je suis pétrifiée de peur. Mais si ta famille était morte dans tes bras, tu comprendrais sûrement. Je ne veux plus fuir désormais. T'inquiète pas, je comprends. Tu peux me croire. Et je combattrai à vos côtés. Pour l'instant, je vais rejoindre les autres. Ok. Dépêche-toi. Oh. Il faut du temps pour redescendre de la montagne. T'inquiète. Bayek ! Mais tu n'es pas un elfe. C'était fou, mais fabuleux. T'inquiète. D'habitude. Je ne suis pas un aigle. Si. Mon faucon me le dit souvent. Hein ? Cherche pas. Don't ask yourself. Les sauterelles. L'une des plaies d'Égypte. L'une mais des Jack, sept plaies d'Égypte. On te remerciera jamais assez pour ton aide. Ce sont les dieux qui t'envoient. J'étais certain que tu ne survivrais pas. Mais maintenant, j'ai de l'espoir. Mais Jack, tu es de retour. Oui. Ta sœur a décidé de rester là-haut. Elle nous signalera l'arrivée des bandits. Ces ruines sont étriquées. On devrait pouvoir y poser des pièges. Faire brûler de l'huile, peut-être. Est-ce que vous en avez ? Le feu, c'est une bonne idée. Nous en avons, près d'ici. Bien. Grimpe sur ce toit et ouvre l'œil. Je t'y rejoindrai. Ces jarres d'huile pourraient servir de piège. Quoi qu'il en soit, je retournerai voir le frère de Rai quand je serai prêt. Ça va être réglé. La mission est de level 30, je suis level 43. 44 même. Oh, 44. 42 toujours. 42 toujours, mais j'ai déjà deux points d'expérience à donner. Merci les tombeaux. La flèche à toxine. Oh. Une flèche éliminée peut subir ses élèves à la décomposition. C'est pas mal, c'est pratique. Bon, pas se mentir, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Dégâts à l'écran de fumée, bon, ça on s'en fout. Le berserk, on s'en fout. Je commencerais bien à mettre un point en fait en chasseur pour avoir le plus 1% de dégâts à tous les arcs et à tous les... Et un plus 1 pour les dégâts au corps à corps. Bah, tu sais quoi, on va faire ça. Allez hop. Un point là-dedans. Bien d'ailleurs, pour l'améliorer, ça prend aussi un point. Et on met un point là-dedans. Oh ! C'est déjà ça, tu me diras. Ça nous fait un point là-dessus et un point là-dessus. Le reste, c'est pas vraiment nécessaire, hein, j'ai envie de te dire. Ce truc-là, pour permettre d'acheter des chars de guerre, bon, bah ça, c'est pour la complétion. Ça, j'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait. Ça, pour l'instant, j'en ai toujours pas eu besoin. Ça, bon, j'utilise rarement les accessoires, tu me diras. Fouille après meurtre, ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile, ça me ferait gagner du temps, ça m'éviterait d'avoir à fouiller les cadavres. Grêle de flèche... Tir consécutif faisant mouche à l'arc léger augmente les dégâts de cette arme. Ouh, c'est pas mal ça. Ça c'est pour améliorer l'arc léger. C'est vrai que je l'utilise assez peu. Augmente le nombre de augmentation du nombre de flèches tirées avant d'avoir à recharger. Bon. Je suis prêt. Vas-y. Alors attendons et prions. Et prions. Enfin, attendons. Alors. Les voilà. Les bandits sont là. Salut. Allez, venez. On vous voit. Venez. Vous salut. Pouvoir vous cacher. Aide. Nope. Salut. Allez, fais cramer ton pote, y a aucun problème. Où est-ce qu'il est le dernier? Oula. Va pas buter mes paysans. J'ai mis du temps à les trouver. On a voilà. Mais il y en a d'autres et ils vont revenir. Ce qu'ils veulent, c'est l'arc de notre père. Quoi? Tout ce chemin pour un vieil arc? Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. J'aurais dû le leur donner. On peut-être encore.
Ils vous auraient quand même tué. Il n'y a qu'un moyen d'arrêter des hommes comme eux. Je dois traquer leur chef. Je les ai vus arriver par le sud-est. Ils campent probablement au pied des hauteurs, pas très loin. Alors c'est là que je vais commencer mes recherches. Ça va être rapide. Bayek, avant de partir, je t'en prie, prends l'arc. Ce sera plus sûr s'il est entre tes mains. Il a été abîmé pendant les combats. Et à vrai dire, sa vue m'emplit de tristesse. Je suis sûr qu'il est toujours efficace. Tu me fais honneur, Rai. Non. Cet arc est égyptien. Mais arc brisé. Plus ancien que tous ceux que je connais. Il est extrêmement léger et très bien équilibré. Les branches sont en partie faites d'une étrange pierre noire. Familière. Je le regarderai de plus près quand j'aurai tué ce bandit. Attends, justement. Moi, je... Ça m'intéresse, tout ça. Serpenté. Du mur de sable. Ah non, c'est un objet de quête, d'accord. Ça va être plein d'arcs que je vais aller revendre. Des boucliers que je vais aller démonter et revendre. Surtout revendre, en fait. Parce que là, pour le coup, au niveau des ressources... Ok. Mais pour l'instant, c'est un arc que je peux pas encore utiliser. Donc je bute d'abord tout ça. Alors, est-ce que c'est un truc de quête de don de bandit que j'ai déjà fait? Je crois que c'est ça. À mon avis, ça doit être certainement ça. Allez, viens. On va aller vite fait les buter. Et puis après 1h42, est-ce qu'on aura le temps d'aller rapido se choper? On va aller piller le trésor à l'olivret. Et on ira au moins récupérer ce truc-là. Parce que le reste, j'ai déjà tout fait. Il n'y a plus rien dans la zone. Tout a été vidé intégralement. Et sur la partie ouest, c'est tout bon. Hein. Je pense que j'ai fait le maximum. Sur la partie est, par contre, et centrale, il me reste toute cette partie-là. M'est avis qu'il va y en avoir plein. Quand je vais rien que faire ça, ça va m'en découvrir certains, je pense, ici. Et celui-ci, ça va me découvrir le reste qui se trouve de ce côté-là. Une fois que j'aurai fait ces deux zones, je pense que je pourrais faire ça demain. Je m'attaquerai impérativement à finir ce point d'interrogation. Et puis... Je vais essayer de choper ces points d'interrogation là. Enfin, ce point là surtout, et ce point là. Parce qu'à mon avis, ça fait partie de la zone ici. Et après, il me reste... certainement des choses. Je suis sûr qu'il m'en reste. Il y avait là, je crois, et il y en avait encore quelques-uns ici, plus le putain de Jumbe. Je vais devoir aller me taper là-bas. Aïe. J'ai réussi à en buter deux, un tout seul ne devrait pas être trop compliqué, je pense. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne. Voilà. Je vais trouver et récupérer les informations sur le chef des bandits. Hey. Et le bonjour. Quoi? Crève, chien. Oh, toi, tu vas souffrir. T'es pas sérieux, il n'y en avait pas que deux? Ne dis pas qu'il n'y en avait que deux. Ah, mais c'est le truc que j'avais fouillé la dernière fois. Tu connais l'obsession de notre chef pour les trésors anciens. Ces paysans n'ont aucune idée de la valeur. De cet arc. Obtiens-le à tout prix, peu importe combien tu devras t'en tuer pour l'obtenir. Quand ce sera fait, viens pour un nouveau repère. Va vers l'est depuis la vieille grotte. Direction de l'Olivret. Au bout du chemin, tu trouveras l'entrée cachée d'un tombeau souterrain. L'endroit est idéal, personne ne nous y trouvera et nous pourrons nous y installer à un bon moment. Nous y avons aussi trouvé quelque chose d'une sorte de salle secrète. Nous essayons toujours d'y entrer. Une lettre du chef des bandits. Il collectionne les armes anciennes. Merde. Il tenait tellement à cet arc qu'il était prêt à tuer. Mais pourquoi? Merde, je crois que j'ai... Ils ont un nouveau repère dans un tombeau voisin. Il se croit bien caché. Et bien... Merde.
J'ai fait en avance les zones que j'aurais pu faire plus tard. Zut! Que j'aurais pu faire en quête. Bon, bah. Allons-y, on y retourne. Je bloquerai peut-être des choses en plus que j'avais pas pu trouver avant. Mais ça me fait chier, ça, pour le coup. Wow. Bien évidemment, tu vas pas pouvoir. C'est logique. Parce que tu es un petit pigeon qui ne sait pas nager. Les pigeons qui ne savent pas nager peuvent marcher très loin. Marche. Alors marche, petit. Marche et ne t'arrête pas. Si j'avais su, j'aurais pas vu. Allons-y. Vas-y, vas-y. Je m'en fous. Ça doit être ici. Le chef des bandits est dans ce tombeau. Par les dieux. Il est très ancien. La construction a quelque chose d'inhabituel. Les inscriptions rappellent celles de l'arc de Rai. Mais non, mais je sais que là, pour le coup, il faut que j'aille prendre jumpant. Ensuite, on fonce. Ah, c'est vrai que j'avais pas exploré la partie gauche. Hein ? Ah non, d'accord. Oh, c'est une autre entrée. Oh. Ok. Non, moi, je le saurais. C'était une autre entrée. Merde. Roche divine. Je savais qu'il y avait un trésor dans ces montagnes. Mais ça... Voilà. Voilà, pour le coup, on essaie de pas se louper. Yes, du premier coup. Je vais devoir être prudent. Et le dernier gars qui me reste à buter ici. Après. Voilà. Ce n'est qu'Etiadette avide de richesse. Ne fera plus de mal aux paysans. Il détenait des éclats de pierre noire qui provenaient probablement de ce tombeau. Le même matériau utilisé pour l'arc de Rai. Ça correspond? Ça devrait faire l'affaire. Le voilà réparé. Voilà. L'arc de prédateur. C'était si... c'était juste ça. On fait voir. L'arc de prédateur. Donc mon arc que j'utilise actuellement, c'est un arc de prédateur lui aussi. 97. Avec dégâts discrets et multiplicateur de combo et santé par élimination. C'est de la merde. Juste à part pour avoir un skin un peu... Voilà. Et juste pour avoir un skin un peu particulier de Dark. Même pas un skin beau. C'est moche.
Voyons par là. Je crois que c'est une potentielle sortie, je suppose. Potentielle sortie à sens unique, d'ailleurs. C'est ça, c'était une sortie à sens unique. Oh là là, tous les trésors qu'ils avaient ça. Putain, mais ils avaient vidé en fait la tombe en fait, c'est ça. Ils avaient fait leur petit campement, ils avaient fait le nettoyage de la tombe. Ils étaient en train de récupérer les derniers détails et après ils allaient se barrer, les enfoirés. Eh ben, ils ont bien fait leur travail. Bon, on va se téléporter à Herméopolis. On va aller chercher le point d'observation tout en haut de la colline. Et puis, on va s'arrêter là. Voilà, deux petites heures. Parce que je doute qu'on puisse finir rapidement les deux points d'interrogation qui sont juste à portée. Il va y avoir... Oh bah tiens, on va faire ça aussi. On va profiter de la fin pour aller voir, hop, le forgeron. Lui revendre mon matos à la con. Voilà. Un besoin précis, mon ami ? Je veux revendre du matériel. Alors déjà, je te vends ça. D'accord. Ça, c'est vendu. Ça, c'est vendu. Ça, c'est vendu. Mmh. Ça, c'est vendu. Vendu. Ça, c'est vendu. Pareil. D'accord. Je te revends tout mon bordel. Vendu. Voilà. Ce qui m'aurait fait encore un peu plus d'argent. Beaucoup plus d'argent. Laisse-moi t'acheter du matos. J'aimerais que tu me revendes du fer, du bronze et du bois de cèdre. C'est une affaire. Voilà. Tu ne peux pas améliorer mon matos, peut-être, si... Je doute, parce qu'actuellement, mon matos doit être à son maximum. Quand tu peux me ravitailler en outils. Oh. Voilà. Bien. C'est toujours ça. Au revoir. Merci à toi. Est-ce que par un hasard hasardeux, dans cette zone, y a-t-il un quelconque... Et y a un tisserand. Un tisserand dit ressources. Il dit ressources. Il dit potentialité d'améliorer... Mon matos. Il va me falloir du cuir. Je crois que c'est les tisserands qui fournissent le cuir. Si je ne m'abuse. Viens faire affaire avec moi, mon ami. Ouais, c'est toi. C'est bien le cas. Tenez des contrées côtières, ouais. Guerrier Maasai. Chef Maasai, hein. Wahi d'Égyptien, chef des maraudeurs. Je peux rien vendre de plus. Est-ce que je peux améliorer encore une fois mon équipement? Pas du tout, il m'en faut encore 29. Alors que je fasse de la chasse intensive, moi, bientôt. Alors, où il est le point d'observation? Il est là-bas. Un des symboles de l'ange. Ange Tipi. Les Indiens sont venus en fait des Amériques jusqu'en Égypte. Avant même que les Anglais. Non, les Espagnols. Les Espagnols. Ne viennent explorer. Oh, un temple. Un sanctuaire. Un hôtel. Une quelconque représentation religieuse d'une divinité tutélaire protectrice de ce village, de la région. Ah. Et un bout de bouse. Ah. Bah, ça tombe bien, je vais m'occuper de vous, je pense, juste derrière. Vous me laissez juste le temps, hein. Juste le temps. Voilà. Allez. Très bien. Oh là là. Ils sont... Ils ont été... Oula. Oula, 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 oula. Ah mais c'est carrément une tanière, d'accord. Je comprends. Ils encaissent bien, ces enfoirés. Salut.
de me faire. Et... Je suis en train de me faire rosser là. Ok. Alors. Non. Bouc. Alors s'il vous plaît, non. J'ai dit non. Oi, 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 oi. Merci de me soigner. Bouc. Merci de me soigner. Ouh. Eh ben j'ai frôlé la mort là. J'ai frôlé le décès. C'était un échec. Bouc. Planqué dans cette tombe. Voilà. Petit carnage en édu en bonne uniforme. Allez, donne-moi s'il te plaît. Je te prie. D'accord, il ne peut pas me donner. Il n'y a pas de graphite. Et c'était une entre deux lions que je devais finir. Et il me reste deux petits points à faire dans la, certainement dans le fin fond de la montagne qu'il va falloir que j'aille chercher certainement là-bas. Mais on verra ça la prochaine fois. Et il n'y a pas eu de choses qui ont été découvertes avec tout ça. Donc c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas énormément qui me reste à faire. Donc demain soir, 18h, 20h. Peut-être que je commencerai un peu plus tôt. On verra en fonction du temps que j'aurai pris. Je me ferai le plaisir de terminer ces deux petits points d'interrogation. C'est le petit point d'interrogation d'aller explorer ces petits trucs avec ce tombeau d'Amenemhat 3, pardon encore une fois pour la prononciation, de terminer les points d'interrogation qui me restent encore dans la zone. Et une fois que j'aurai fini de récupérer tous ces points d'interrogation, on ira se farcir ce dernier éléphant dans le nord avec les zones ici, hein, les deux petits trucs, les missions à faire là-dessus, puis la mission d'Alexandrie, et enfin on commencera à aller explorer la nouvelle zone qu'on a vite fait. Les nouvelles zones qu'on a vite fait passer qui sont juste ici pour aller faire tout cela à partir de la semaine prochaine, je pense. Voilà. Et là, on sera très bien. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce live en ma compagnie. Je vous rappelle que demain, donc, il y aura live d'Assassin's Creed. Que samedi, que dimanche, il y aura 3 lives. Un live. Voilà, attendez. Fais comme ça. 3 lives. Un live de Elden Ring. Un live de Stardew Valley. Et un live de reprise de Innominé Adventum. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live en ma compagnie. C'était Dark Elyrian pour la chaîne Madness Productions. Je vous dis à demain. Et je vous souhaite à tous un fort bon week-end et une fort bonne soirée. Salut. Fini.